Bienvenue sur Geeko, tous les mois on vous présente une sélection de jeux sortis récemment et que vous avez peut-être manqué. Cette fois on vous propose une liste assez variée, composée de plusieurs suites de jeux qui ont fait leurs preuves. On commence cette sélection avec un nouvel épisode de cette licence d'action RPG qui n'est autre que Cat Quest, avec ce troisième épisode. On retrouve la même équipe derrière le jeu, à savoir ce studio basé à Singapour qui est The Gentle Bros. Cat Quest 3 nous propose cette fois de plonger dans le monde de la piraterie, puisqu'on doit s'aventurer dans les Caraïbes, un archipel qui renferme un trésor perdu nommé l'Étoile du Nord. Nous incarnons un aventurier qui tente de trouver le trésor malgré la présence de dangereux pirates. On peut cette fois naviguer sur l'eau grâce à notre navire, ce qui va occasionner des batailles navales. On retrouve aussi évidemment des phases de jeu à pied, où on doit explorer et combattre dans des environnements en 2.5D. Le jeu n'est pas d'une profondeur impressionnante, mais propose une aventure et un univers très charmant. C'est aussi jouable en coopération locale à deux. Les amateurs de shoot 'em up ont peut-être entendu parler de celui-là. Signy All Guns Blazing est un nouveau représentant du genre qui tente une approche différente de d'habitude. Même si le projet est édité par Konami, c'est une production signée par un studio écossais nommé Killworks. Le studio tente ici une sorte de renouvellement du genre, avec des idées originales et des graphismes très modernes. Ils vendent d'ailleurs le titre comme l'avant-garde de la prochaine génération des jeux de tir, rien que ça. Ce nouveau jeu est un shmup plutôt standard qui propose tout de même des idées qui bouleversent l'expérience habituelle, ajoutant un peu de stratégie à l'ensemble. Le jeu bénéficie tout de même d'une très bonne mise en scène et de graphismes très convaincants, ce qui est finalement peu surprenant sachant que le studio travaille aussi beaucoup dans le domaine de l'animation. On continue avec SteamWorld Heist 2, un nouvel épisode de la licence SteamWorld qui compte désormais 7 jeux. C'est édité et développé par Thunderful Development, et c'est évidemment la suite du premier SteamWorld Heist, un RPG tactique au tour par tour. L'intrigue se déroule à nouveau dans un futur lointain, dans un monde post-apocalyptique habité par des robots. Cet épisode se déroule majoritairement sur les mers, nous incarnons Captain Li Wei qui va tenter de trouver une solution à un problème majeur, il se trouve que l'eau est désormais mortelle. On explore alors une grande carte en bateau, mais on a évidemment droit à tout un tas d'affrontements stratégiques au tour par tour. Ces derniers proposent pas mal de possibilités et il faudra aussi être précis pour prendre avantage des arènes et faire ricocher nos tirs. Ce deuxième épisode est une expérience assez longue et assez complète si vous voulez voir tout ce qu'elle a à offrir. Plus de 10 ans après la sortie du premier, Volgar le Viking est de retour avec une véritable suite dans le même esprit. C'est toujours développé par Crazy Viking Studios, qui est cette fois épaulé par Digital Eclipse. Pour ceux qui ne se souviennent pas de l'épisode original, Volgar the Viking, c'est un jeu de plateforme et d'action en 2D qui est particulièrement connu pour être très punitif et difficile. On sent les développeurs inspirés de jeux rétro particulièrement corsés, comme certains Castlevania ou encore Ghost and Goblins. Ce deuxième épisode ne change en rien l'approche de la série et propose la même formule, mais avec plusieurs petites améliorations. On doit de nouveau traverser des niveaux impitoyables où la précision est la clé pour s'en sortir. On retrouve les capacités déjà présentes dans le premier, mais cette suite propose de nouveaux bonus, magie, ennemis et même quelques options pour rendre l'aventure un peu moins frustrante. On termine avec encore une suite d'un jeu désormais assez vieux, l'un des véritables pionniers de la scène indépendante. Un peu plus de 15 ans après sa sortie, World of Goo a désormais une suite, simplement intitulée World of Goo 2. Tout comme l'original, c'est une collaboration entre les studios 2D Boy ainsi que Tomorrow Corporation. Ce deuxième jeu ne change pas la formule de l'original et propose à nouveau un jeu de réflexion basé sur la physique. Le but est d'utiliser ces boules de goo pour créer des structures et résoudre les énigmes des niveaux. Tout ça en exploitant la physique pour amener les liquides et les boules aux endroits souhaités. On retrouve cet univers si particulier avec l'écriture caractéristique des jeux de Tomorrow Corporation, mais aussi avec tout un tas de nouveautés de gameplay, ainsi que des visuels qui ont évolué depuis le premier jeu.